Mais toi, tu es un coureur de buzz. Tu m'as déçu, mais énormément. Tellement que tu as la haine pour mon chéri. Tu es obligé de déposer ta toge de pasteur. Et tu es rempli comme cela de haine. Parce que c'est tiers à tel artiste, mais l'autre, il est malade. Nous, les hommes, les pécheurs, là, on peut juger tel artiste ou tel artiste. Mais toi, tu es un homme de Dieu. La parole de Dieu te dit quoi? Quand deux frères sont discours, le rôle d'un homme de Dieu, c'est de concilier. Mais toi, tu viens t'asseoir, tu insultes un et tu élèves un autre. Tu as fait quelle démarche pour les réconcilier? Je vais venir te dire la vérité, partout que tu sois sans payer. Tu es un jaïri. Je vais te dire la vérité. Parce que même si un est en erreur, le rôle d'un pasteur, c'est de rassembler les deux et essayer de trouver la solution. Je ne parle pas de nous les païens, nous qui sommes à côté, qui prenons parti pour un, qui prenons parti pour l'autre. Mais toi, tu es un pasteur jaïritier, bateau sans payer. Au lieu de réconcilier deux frères qui sont en discorde, toi, tu vas t'élever, gada, et tes pieds de rentre en plan. Aller vilipender un et puis élever un autre. Je ne suis pas contre ce que tu as fait, c'est tout à fait normal. Mais en tant qu'un homme de Dieu, en tant qu'un prédicateur, en tant qu'un rassembleur, en tant que celui qui doit prêcher la parole de Dieu, si tu n'avais rien à faire que de courir derrière la Starmania, tu aurais dû mettre ta caméra et essayer de régler leurs problèmes. C'est ça on a, le rôle d'un homme de Dieu, un homme d'un jaïritier. Tout ça.